voyez qu'il y a un attroupement qui s'est fait devant. Et vous voyez l'un des hommes d'armes hein, que vous avez vu hier, celui bah, le même qui avait le corps de chasse, hein, qui crie « Oye ! Oye ! Le Sir Culling a trouvé, a battu la bête !» Bah on va aller voir la bête en question. « Vous attend dans la clairière ! Oye ! » Et tous les villageois s'appressent. « Oh, ils ont tué la bête ! Oh, il a... » Et vous voyez l'attroupement qui est en train de suivre l'homme d'armes et qui s'enfonce dans les bois. Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, on suit. Enfin, moi, je suis. Faut aller voir ça, ouais, les copains. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Voir si c'est pas une supercherie quelconque. Après, la manticore, il peut bien avoir c'est tué un... C'est sûrement une supercherie, franchement. C'est sûrement eux, la vache. Ils l'ont transformé en bête. On va aller les démasquer. Allons voir. Ok. Vous finissez donc par arriver dans une clairière. Vous voyez au centre de la clairière Sir Cunning qui est assis sur un petit rocher. Il prend une pose un peu de conquérant avec une lance de chasse qu'il tient, hein, qui s'appuie un peu dessus. Celle-ci est couverte de sang. Il a les gants, les avant-bras et un peu une partie de son armure aussi avec des taches de sang visiblement. Il a son chapeau hein, toujours vissé sur lui. Il est très satisfait de lui-même et à ses pieds se trouve une étrange créature, enfin ce qu'il en reste. Vous voyez que un corps a été abattu qui ressemble alors à un corps de bovin encore avec des ailes qui en dépassent et vous voyez que il a au bout plutôt de sa lance de chasse a été fiché ce qui ressemble être à des têtes d'ours avec des cornes, comme des cornes de bœufs ou de vaches qui sortent de celle-ci. Et il s'éclame lorsque les villageois arrivent. Voyez, paysans, comment Sir Culling et ses hommes ont eu raison de la terreur qui vous tyrannisait. Ce fut un jeu d'enfant. Oh, mais les ça autres, alors comme ça. Oh, mais il a eu la bête. Oh, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous, on s'approche pour observer de près la bête qui a ses pieds. Ouais, tout à fait. Moi, j'aimerais l'observer en détail. Les pattes de la bête, c'est des pattes de vache ? Où est-ce qu'il y a des griffes ? Oui, c'est des pattes de vache, ouais. Ouais, c'est un corps, en fait, de vache, si tu veux, avec des ailes. Qui repose en fait maintenant sur le flanc de la bête hein. Et elle a pas de tête de hache mais elle a il y a une tête d'ours qui est plantée sur sa lance hein, avec des cornes de vache qui sortent de la tête d'ours. Lorsque vous approchez pour investiguer, vous voyez que ces hommes d'armes font rempart. Messire, c'est une bien étrange créature que vous avez oxy. Ah ah oui. Sans doute l'un de ces ours ailés, comme on en trouve dans les terres du sud. Regardez-moi ça. Il y a Otto dans le coin. Oui, tout le monde est là. Hein. Otto. Je me rapproche d'Otto discrètement. Me permettriez-vous, cher messire, me permettriez-vous de m'approcher? Le seul que vous voyez pas, c'est le vieil Hogan. Okay. Et Greta, elle n'est pas là non plus. Mais tous les autres sont là. Donc tu demandes à t'approcher, hein, c'est ça Oui, ça. Poliment pour parfaire mes connaissances d'anatomie. Alors pendant que tu fais ça, et après je te laisse finir, donc moi, le but c'est que je me rapproche d'Otto et pour lui dire qu'il ne paiera les 20 pièces d'or qu'une fois qu'on aura inspecté la bête. Mais, on va commencer par toi, hein, Bragi. Otto, il t'écoute à peine parce qu'il est obnubilé par ça. Et, Otto. Oui, tu attires son attention. Qu'y a-t-il ? Otto, on a trouvé des traces de la bête chez le vieux Hogan. C'est pas du tout une bête comme ça avec des pattes.
Donc, ce que je te conseille, vu qu'il y a une vache qui a disparu, c'est de nous obliger à ce qu'on observe la bête, à ce qu'on regarde la créature en question, pour être sûr que tu donnes pas tes 20 pièces d'or pour rien. Oh, oh, c'est clair, Sir Koenig. Entendez, entendez, Sir Nain, maintenant, j'ai parlé doucement, les capacités est en train de se montrer mauvais perdant. Ah bon, vous en douter. Mais mauvais perdant, laissez-nous donc inspecter la bête alors. On va vous donner des informations, vous allez voir. La bête est ici, séante. Nous devons la brûler rapidement. Non, c'est d'abord nous allons l'observer. Quelle pestilence peut en émaner ? Si on n'observe pas la bête, vous ne serez pas payé. Ok. Donc, Bragi. Oui ? Tu vas... Alors, je vais regarder les compétences. Tu vas me faire un test en intimidé, hein, ça me paraît pas mal. Ouais, je vais les intimider, moi, tu vas voir, ça va pas rigoler. Bande de lopettes, là. C'est là qu'il faut réussir le G, hein. D'accord ? Intimidate. Allez, mon petit Bragi, comme il a fait. Oh là là, joli. alors. Ok. On rigole pas avec Bragi. Et, Otto, il a raison. Il pourrait au moins voir. Ah oui, c'est pas le mal. Ça fait quand même une drôle de coïncidence, une vache qui disparaît du champ d'un fermier, et là, un corps de créature qui ressemble à une vache, une tête d'ours comme on en trouve un peu partout, avec des cornes de vache plantées dedans. Et le problème, c'est qu'on voit aussi des sabots qui ne ressemblent en aucun cas aux traces qu'il y a dans la maison. Des cadavres. Donc on trouve ça un peu bizarre, mais ça vous pose pas de problème, vu que vous êtes un chevalier extraordinaire, messire Koenig. Comment osez-vous ? Et tu perds monsieur... un peu de sa superbe au moment où mais on a monsieur Koenig, vous avez peur pardon, qui s'approchait. Vous avez peur, monsieur Koenig ? Il plante sa lance dans le sol, enfin il l'assure, et il met une main à son épée. Et vous voyez qu'il perd un peu son aplomb. Vous voyez que sa voix un peu même change. Il dit, je ne me laisserai pas insulter par un simple avorton de pacotille. Et... Ah bon, avorton de pacotille. Moi aussi, je mets ma main sur la poignée de mon arme. Vous êtes sûr, monsieur Koenig, que vous êtes prêt à autant de forfaitures devant tous ces gens-là, assemblés ? Les hommes d'armes ? Tout comme la peau de votre manticore, qui est en fait des peaux de loup assemblées ? Les hommes d'armes dégainent leurs armes. Et je mets la main sur mon pommeau également. Mais moi aussi, je bande mon arc. Je suis prêt à dégainer si jamais ils en font trop. Otto, calmez-vous. Quel mal y a-t-il à ce qu'il s'approche ? Je ne comprends pas, Sir Koenig. Mais voyons, Sir Koenig. L'autre, il continue. Il s'empourpre, Koenig. Aubergiste, tu as promis. Tu vas me donner ces 20 pièces d'or. Tu as cette bête. Je veux les pièces d'or, tout de suite. Ou sinon, il vous en coûtera à tous. Comprenez ? Moi, je le vise avec mon arc et puis... Ok, je vise avec ton arc. Tu n'as pas honte de faire croire à tous ces gens cette histoire farfelue ? Et en fait, il plonge derrière la bête au moment où t'as l'un des hommes d'armes qui fait mine d'aller vers toi pour te frapper avec une épée. Donc, on va passer. Et là, je gueule aux hommes d'armes. Vous aurez une pièce d'or chacun une fois qu'on aura tué la bête. Si vous laissez tomber le pleutre qui vous accompagne et qui se planque derrière le fameux cadavre. Pour le moment, les hommes d'armes, ils obéissent aux ordres qu'on leur a donnés. Et donc, comme je le disais, il y en a un qui fonce en direction d'Izorn pour la frapper avec son épée. Les villageois, c'est quatre, bien entendu. Donc, Izorn, forcément, tu as l'initiative sur lui dans le sens où tu avais ton arc bandé, donc tu peux choisir de décocher ta flèche soit sur l'homme d'armes qui t'attaque ou soit sur Sir Koenig qui va pour plonger pour se cacher derrière le cadavre de la bête. Alors maintenant, ton Warlock, comment ça se passe, les combats, l'initiative, etc. L'initiative, c'est un coup vous jouez les PJ, un coup c'est moi qui joue.
D'accord. Donc, après le tour de 10 ans, parce qu'on va commencer par elle, ça sera à moi de jouer. Et après, ça sera encore à vous, et après encore à moi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'adversaires, tout le monde ait joué. D'accord. Ça, c'est pour l'ordre, en fait, d'initiative. Mmh. Ensuite, quand vous êtes en mêlée, vous pouvez aussi, souvenez-vous, prendre des postures. Vous pouvez prendre une posture normale, qui ne change absolument rien au système. Vous pouvez prendre des postures plus agressives ou plus défensives, d'accord ? En fonction de ce que vous voulez faire. En gros, vous ferez plus de dégâts, mais vous pourrez en subir plus, et inversement pour la posture défensive. Donc, on revient. Izorn, c'est à toi. Que fais-tu ? Ouais, du coup, je tire sur le chevalier qui arrive vers moi. L'homme d'arme qui arrive vers toi. Très bien. Ouais. Tu as porté court, donc tu n'as pas de malus. Tu vas juste alors cliquer. Alors là, il y a une petite subtilité, ce que je me suis rendu compte hier. Il y a un problème de calcul. Donc tu vois où c'est marqué arc sur ta feuille, où il y a l'arme, oui. Là. Tu cliques sur le petit bouclier qui est à côté, pas sur le arc en lui-même. Aïe. Malheureusement, en fait, tu as été, t'as été surprise de l'action du garde et t'as fait un petit réflexe. Ta flèche passe bien, bien au-dessus de lui et tu le manques. C'est à lui. Lui, il passe son action, en fait, à aller au corps à corps avec toi. Le tour prochain, tu seras au corps à corps, enfin, voilà, vous serez en mêlée tous les deux. Donc là, tu vois le garde qui s'est précipité vers toi. T'as pu peut-être juste jeter ton arc pour au prochain tour dégainer une arme, mais pas encore. C'est à vous d'agir. Qui agit ? Vous pouvez choisir n'importe quel personnage. Hein, ça dépend comment on est placé. Qui est le mieux placé pour intervenir sur le gars qui est sur Izorn ? Eh bien, j'ai envie de dire que vous êtes tous plus ou moins proches, mais comme il m'avait dit qu'il s'approchait aussi frère Artus s'approchait aussi de Sir Conning pour négocier avec lui, j'en conclus qu'il était aussi pas très loin des hommes d'armes. Donc, oui, je dire que je préfère Artus ouais. être plus proche. Ouais. Eh bien, si je suis proche de Dizorn, je vais utiliser ma masse d'armes. Donc sur l'homme d'armes sur lequel elle a tiré quoi. Ok. Tu es le seul personnage du groupe qui pourra attaquer l'homme d'armes avant que il soit corps à corps avec elle et que les mm-hmm. autres vous allez devoir passer une action pour vous rendre en mêlée avec eux ou faire autre chose bien sûr. Donc Artus, faire un test en masse hein, donc tu vas cliquer sur l'arme en question. Alors voilà. Warlock. C'est à quel endroit que je clique, t'avais dit ? Alors, tu cliques juste sur l'arme. Normalement, il va te compter un bonus de plus 5. Ouais, c'est ça. Alors, dans Warlock, une subtilité aussi, c'est que quand vous attaquez, quand c'est à votre tour d'attaquer, il y a toujours un avantage à l'attaquant, donc mm-hmm. qui gagne plus 5. Là, t'as pas pris de posture, donc j'en conclus que t'as une posture équilibrée. Ouais. Mais c'est un jet en opposition, donc moi, je vais faire un test à mon niveau avec la caractéristique du garde, et je vais devoir faire plus que toi pour te faire des dégâts. Si je fais moins, c'est toi qui inflige les dégâts, ok ? Ok. J'ai l'opposition classique. Ah d'accord, ok, ça marche comme ça. Ok, fais tes dégâts. Donc tu peux cliquer sur Roll Damage. Tu nous les mets pas, TG, toi ? Je l'ai fait derrière l'écran. D'accord. J'ai fait 7. Ça fait 7, ok. Alors, il a une armure légère. Très bien. Tu percutes l'homme d'armes au moment où il se ruait sur Izorn. Et en fait, ta manœuvre fait que Izorn ne sera pas prise en mêlée le tour prochain. Mmh. Grâce à ton intervention. Oui. Mais en fait, ton coup, tu l'as plus percuté que frappé avec ta masse au final, et il a pas été plus blessé que ça. Alors les points que vous perdez en stamina, pour information, c'est pas forcément des blessures graves, hein, c'est aussi la fatigue du combat, etc. Les blessures graves arrivent quand vous prenez des coups critiques à zéro en stamina. Donc là, une mêlée s'engage entre Artus et l'un des hommes d'armes.
c'est à moi d'agir. En fait, au moment où j'abats ma masse, j'essaie de le raisonner en disant nous combattons tous contre le mal. Arrêtons de nous battre ensemble. Alors, si tu veux ta prochaine action, tu pourras tenter de ta prochaine action au lieu de l'attaquer, ouais. De faire ça. Okay. Là, tu commences ton speech si tu veux. Faut garder en esprit que maintenant, t'as face à toi un individu qui sait se battre et qui visiblement a l'air de bien vouloir en découdre avec toi. Okay. Mais pourquoi pas, ça peut éventuellement marcher. Surtout que là, vous faites des jets de ouf depuis tout à l'heure, donc je ne présagerai de rien. C'est à moi d'agir donc. Alors, ce qui va se passer, c'est que voyant ce qui se passe, entendant les ordres beuglés par presque couinés d'ailleurs par un circonique qui emmène pas large, il y a un autre homme d'armes qui se rue sur Brady, qui était avec Otto. Otto, lui, s'écarte hein, au moment où il te tombe dessus. Donc tu vas pouvoir, t'as le temps de dégainer Brady. Une arme contre toi. J'avais déjà l'arme à la main, moi j'avais la poignée dessus. Hein. T'avais l'arme, oui, tu dégaines. Par contre, t'as pas ton bouclier. Ah. Une petite subtilité. Il faudra prendre du temps pour dégainer le bouclier. Mais tu peux quand même faire un test avec ta hache, j'imagine que c'est là. Ouais. Ok. Et moi, je vais faire pareil de mon côté. Je clique sur quoi? Sur hache? Ouais, tu cliques directement. Tu cliques sur le petit bouclier qui est à côté. Parce que c'est en défensif, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ma posture. Oui, en effet, ta posture, et tu peux décider quelle posture. Si tu fais plus que lui, tu peux lui faire des dégâts aussi. Hein. Ouais. Sauf que lui, il a un bonus de plus 5 là sur son G. Exact. Et si je me mets en posture défensive, ça change quoi? Ça fait que, en fait, celui qui remporte le tour, il fera moins de dégâts. D'accord, je me mets en posture défensive. Ok, vas-y, fais ton jet. C'est parti. Tu vois, j'ai raison. 17. 17, non, c'est toi qui gagne. Ah ben voilà. Il a fait un jet pourri. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas jeter deux fois les dégâts de l'arme. Et ouais. Tu prendras le moins bon. Ok. Ben voilà, 5. J'ai fait 5 et 5, donc 5. Ok. Magnifique. Magnifique jet pour les dégâts. Tiens, 2d6, 3-1 et 1-3. Pareil, la mêlée commence à s'engager avec Brady et l'homme d'armes. Quelques coups sont portés, Brady sur la défensive passe sous la garde de l'autre et t'arrives à lui donner un coup au niveau de sa protection malheureusement. Un coup assez appuyé, mais bon voilà, ça ne le blesse pas bien sûr. Mais tu l'as touché, c'est toi qui as eu d'ailleurs qui a eu le dessus. C'est à vous maintenant, donc là t'étais en... Si tu veux contre-attaquer, tu peux maintenant. Je peux l'attaquer maintenant. Ouais, mais tu seras toujours en défensif par contre. Ah d'accord, ça vaut pour le round entier. Je peux pas changer de posture. C'est pour le... Oui, mais là en mettant caillette, on va essayer de lui en coller une. Et lui, il a quand même le bonus du offensif ou pas? Ah non, lui s'il gagne, c'est pareil, il jette ses dégâts deux fois et il prend le moins bon. D'accord, ok. Donc, vis-à-vis de vous, en fait. Alors, j'ai juste vérifié que je ne dise pas de conneries, mais je crois bien que c'est ça. Parce que la posture offensive, il peut l'avoir que sur son attaque, il ne peut pas l'avoir aussi sur sa défense, a priori, ça paraît pas logique. Mais non, c'est parce que, en fait, c'est toi qui es en posture défensive, ça fait que tu portes moins d'accord. Des coups, au final. Donc, ça fait que tu vas, t'as moins de chances de le blesser. D'accord. Je mes coups feront moins mal. Par contre, là, vu que c'est moi qui attaque, j'ai quand même le jet normal et pas le jet avec le bouclier. Ah oui, tu as le jet normal, oui, bien sûr. Ah, d'accord, donc j'ai les plus 5 à l'attaque. Donc c'est ok, exact. Oui, j'attaque. 24. D'accord. Ok. Bon, je vais référer. Après, ok. Bon, 24. Oh.
Mais non, c'est lui qui l'a. Ah, mais voilà. Alors, du coup... Donc, toi, t'as une armure. Alors, l'armure qui est indiquée, il y a une nuance. L'armure de maille, a priori. Ouais. Toi, en fait, l'armure qui est indiquée sur ta feuille, c'est quand t'as le bouclier augmente d'un niveau, ton armure. Donc, normalement, c'est 2d6 sur ta feuille, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est et le bouclier d'à côté, il y a marqué bouclier 3. Ouais, non, ça, c'est pour, ouais, ça, c'est pour les attaques à distance. Donc là, en fait, pour ton armure, vu que t'as pas le bouclier, tu descends d'un cran, donc tu jetteras 1d6. Ouais, ok. Ok. Et lui, il va jeter ça et ça. Ok. Il fait 4 points de dégâts. Et j'en encaisse 5. Ok. Donc, effectivement, le combat fait rage. Des coups sont portés à droite et à gauche. Et on entend le cliquetis d'une maille qui encaisse plusieurs estocades de la part de l'homme d'armes, sans pour autant faire broncher Bragi. C'est donc à moi, donc le dernier homme d'armes. Lui, qui c'est qu'il y a, il reste Finarion. Du coup, il s'en prend à Finarion qui peut être. À moins que tu étais peut-être en retrait, dis-moi où tu étais, Finarion, en fait. Oui, j'étais juste derrière Izorn. Donc... Ok, bah en fait, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Donc t'es un peu loin, si t'es au niveau d'Izorn. Bah si, il va passer son action à t'engager. Tu choisis. En fait, si tu n'interviens pas, Finarion, si tu n'interviens pas pour intercepter l'homme, à ton tour, hein, j'entends, hein, il attaquera Izorn, qui n'a qu'un arc en main. Donc il se déplace, il fait ça, c'est à toi d'agir, finalement. Tu fais quoi? Bah, je vais l'attaquer, du coup. Tu l'attaques avec quoi? Avec mon arc de chasse. Ok, donc si tu ne le tues pas, au tour prochain, il engage quand même Izorn au corps à corps. Ok, du coup, là, comment ça se passe? Je peux passer en posture d'attaque ou... Non, pas pour les armes de G, c'est juste pour la mêlée. Ok, d'accord. Du coup, là, j'appuie sur l'arc sur de... petit bouclier à côté? Exactement, petit bouclier à côté, ouais. Ok. Oui. 27, ok, alors. Ça le fait, ça. Ok, tu touches, tu fais tes dégâts. Donc pour faire les dégâts, c'est 2d6 plus 1, c'est ça? Tu peux cliquer dessus directement. Ouais, je crois que tu peux cliquer, ouais. Ouais. Oh, j'ai pas roll damage sur le mien. Bon, sinon, du coup, tu jettes 2d6, hein, c'est pas grave. Hein. Alors, 8. Ah, ça c'est bien. Ça. Ok, t'as ta flèche qui se plante dans son épaule, il pousse un cri de douleur, mais donc il est maintenant corps à corps avec Izan. Donc, vous avez agi, moi il me reste Cunning, donc qui agit, hein, du coup, Cunning. Donc, vous avez tous agi, on revient... à un nouveau tour. Donc, vous avez l'initiative. Qui joue? On s'organise, les copains. On donne la priorité sur défendre Izorn ou... comment vous voulez faire? Peut-être ça. Après, il y a Frère Artus qui voulait essayer de dialoguer. Donc, peut-être commencer par ça, s'il est toujours du même avis, je sais pas. Moi, je vois pas trop l'intérêt de dialoguer. Parce que c'est un peu tard, là, pour dialoguer. Là, les mecs, ils sont au corps à corps, c'est des sauvages, c'est des bandits. Voilà, ils sont là pour taper, point. Donc, on a intérêt à les finir tant qu'on a l'avantage du combat, j'aurais tendance à dire. Moi, par contre, là, j'ai encore mon arc, je peux pas dégainer mon épée, c'est ça? Si, tu passeras ton action à faire ça, en fait. Ok. Elle peut pas faire un truc style abondi en arrière pour continuer à tirer à l'arc et se désengager Ah, si tu veux, oui, tu peux te désengager. Si tu veux rompre le combat, tu peux. Et elle risque de se prendre un coup, pas? Comment? Elle risque de se prendre un coup d'épée si elle se désengage en arrière ou pas? Non, dans Warlock, c'est laissé quand même très souple, ça, de pouvoir rompre le combat, parce qu'ils sont assez mortels, c'est bien précisé. Ouais. Donc, si tu veux rompre le combat, effectivement, tu l'as vu arriver sur toi, tu peux le faire. Ah bah ouais, je veux bien faire ça. Ok. Si tu peux jouer à l'arc, t'as intérêt à continuer à l'arc, quoi.
Tu fais une petite cabriole, tu t'éclipses au moment où il te tombe dessus. Étant donné qu'il y a ton compagnon qui est non loin, je parle de Finarion, il se désintéressera sans doute de toi, mais donc tu passes ton action en fait à battre en retraite et tu pourrais éventuellement tirer au tour prochain à nouveau avec ton arc. Ok. Donc ça c'était vous, à moi. Alors il y a Sir Koenig qui se lève, qui pense que le danger imminent en tout cas de l'arc est plus tellement d'actualité. Il pointe son épée en direction d'Otto, hein, de loin, hein, plus ou moins protégé par la carcasse de ce truc hein, qui gît à ses pieds, et il crie « Pourbestre, Pourbestre, fais cesser cette querelle, nous avons ta fille en otage !» Comment ça ? Que dis-tu ? Maintenant ? Ouais, tu crois que j'avais pas prendre mes précautions ? Hein ? Qu'ils arrêtent ! Et donne-nous notre or ! Sinon, tu ne reverras pas ta chère Greta. Voilà ce qu'il dit. Il passe son action à faire ça. À vous. Qui agit ? Moi, je peux pas, donc... Je termine juste la description. Et pendant qu'il fait ça, un peu en loose dé, toujours en pointant l'épée, il tremble un petit peu de peur ou peut-être d'énervement, il va en direction de son cheval qui est attaché à un arbre pas très loin derrière lui. Bon, il faudrait l'arrêter avant qu'il arrive là-bas, lui. Bon, on a deux archers, tu me diras, c'est ça ? Ouais, mais il n'y a que moi qui peux agir à l'heure actuelle. Ouais. Après, ouais, tu peux tenter de tirer sur lui, mais tu vas te faire attaquer le tour d'après, hein, de toute façon. Ouais. Et après, une flèche, tu tues jamais quelqu'un. Tu peux éventuellement, si tu fais un gros jet, que je fais un jet de merde. C'est possible, c'est ce qu'on appelle un shot. Ouais. Disons que si je tire, va falloir venir me défendre derrière. Ouais. C'est à toi de me. Enfin, après, à vous de décider qui agit. C'est pas forcément au Finarion, ça peut être. Ouais, moi j'aimerais bien voir la réaction de Otto déjà, quoi. Ouais, bah. Comment il réagit ? Est-ce qu'il nous invective pour qu'on arrête d'attaquer ? Ou qu'est-ce qu'il fait, Otto, quoi ? Il réagira le tour après vous. Je peux profiter d'une position avantageuse et attaquer ? T'es toujours au corps à corps avec mais le oui, gars. Mais je voudrais, le combat, si tu veux. Non, je voudrais me débarrasser de mon gars pour qu'il y ait un ennemi de moins. Ouais, bah toi, si tu veux, tu peux prendre l'initiative, oui. Ouais, mais parce que si je désengage du combat pour foncer sur... sur le pleutre là-bas, je risque de me prendre un grand coup dans le dos ou quelque chose du genre, c'est ça ? Bah après, tu peux essayer de rompre le combat, mais si comme là, tu vas pas pour fuir, tu vas pour engager un autre adversaire, il te poursuivra. Mmh. Ouais, c'est logique. Après, non, c'est on logique. Peut te couvrir. Hein. Ça vaut le coup d'éviter qu'il se barre, non ? Bah ouais, il a kidnappé la fille. Ouais. Est-ce que si je rends là pour courir vers le Cirque-Nique, j'aurai des chances de l'attraper, d'être corps à corps avec lui avant qu'il soit sur oui. le cheval ? Tu pourras me tenter un test d'athlétics. Athlétics, j'ai ça moi ? Ouais. Oui, tout le monde. vu mon niveau d'athlétique, c'est pas gagné. Hein. Tu feras un jet en opposition avec Koenig qui lui essaiera de se reculer un maximum en fait. S'il doit arriver. Eh bien, écoute, on va essayer comme ça. Je rends le combat pour courir vers Tony. Ok, vas-y, fais ton test athlétique. Je vais faire le test pour Tony. Écoute, 20. Mais 20 moi, je fais 13. Ah ben, voilà. Donc, tu rends le combat. En fait, t'es petit, tu passes sous le coup que l'homme d'armes allait te mettre. Et ouais. tu bondis comme un petit bolide, tu sautes au-dessus de la carcasse de la bête. Tu vois Koenig qui te regarde avec des grands yeux exorbités, il voit que tu cours dessus, il commence à courir en direction de son cheval, et tu arrives à l'intercepter. Donc le tour d'après, tu pourras l'engager au corps à corps. Est-ce que je peux aider Bragi dans son entreprise ? Donc, quand ça sera à ton tour, tu pourras rompre aussi le combat. Donc là, c'est à moi. Du coup, qu'est-ce qui va se passer là ? C'est que, eh bien, le
L'homme d'armes, il te suit. On va voir si. Essaye de me suivre, bien sûr. Ouais. L'homme d'armes, finalement, tu vas te retrouver au prochain tour en mêlée Bragi avec Koenig et l'homme d'armes qui t'a suivi, en fait. D'accord. Il t'emboîtait le pas. Reviens ici, avortant! Et pendant ma course folle, je peux pas me saisir de mon bouclier qui était sur mon dos, des fois. Oui, t'as fait un jet, t'as fait 20, ça va. Ah bon, ça va alors. Pareil, le bouclier pour un nain, vous rendez pas compte, vous. Ok, donc ça c'était pour moi, donc à vous. Qui agit ? Je vais. Comment je peux au mieux aider Bragi, quoi ? Est-ce qu'il se retrouve en danger dans le sens où il s'est approché du sire ? Ce que tu vois surtout, c'est qu'il va se retrouver en mêlée avec deux adversaires au lieu d'un. Ouais, voilà, il y a les hommes d'armes qui retournent vers lui, quoi, quelque part, c'est ça ? C'est ça. Il y a un homme d'armes qui est vers lui. Toi, t'en as un qui est en face de toi, toujours. Donc, est-ce que tu essayes de le convaincre, comme tu as dit que tu faisais, ou tu l'attaques ? Non, là, c'est trop avancé, là, pour les raisonner, quoi. Celui qui est face à moi, je suis obligé de l'atteindre avant de pouvoir m'occuper de celui qui suit Bragi, c'est ça ? Non, tu peux faire comme les autres, hein. Tu peux rompre le combat et puis... Ouais, mais je perds un tour hein, dans ce cas-là, non ? Au tour prochain, Non, je vais taper sur le mien alors, je vais taper sur celui qui est face à moi. Non, tu pourras y être au tour prochain, ouais. Ce tour-ci, tu passeras ton temps à faire ça. Non, je vais m'occuper de celui qui est face à moi. D'accord, ok. Hop. Celui qui voulait taper sur Izorn. Ouais. Bon, 16. Pas terrible. Hein. Okay. Moi, je fais 16. Combien tu fais ? 16. Ah, c'est à taille. Ah, mais t'as fait un 1, mon ami. Ah, ouais. Alors, t'as fait un 1. C'est pas cool. Ça tombe vachement bien parce que dans le dernier compagnon que j'ai acheté, il y a des petits trucs justement quand tu fais un fumble. Donc toi, tu fais un fumble en... Ça, c'est du blunt, c'est ça hein ? Ouais. Oui, c'est ça, c'est du blunt. Tu vas me jeter un des 20, s'il te plaît. Non. 19. C'est dommage que j'ai pas fait ce dé à l'attaque. Ok. Donc le fumble fait que ton adversaire donc part ton coup et riposte simultanément avec un bonus d'attaque. Mm-hmm. Ok. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'attaquer direct. Donc tu peux refaire un test en défense cette fois-ci. Ouais, je refais un D20, c'est ça ? Ouais, avec le petit bouclier là. Ah, moi je fais 25. Oui. Lâche-toi. Ah, ben c'est pas ça. Oh, quel talent. Tu défends. Donc, on est pire de toi là. En fait, t'as glissé un petit peu sur une flaque de boue qu'il y avait. L'autre en a aussitôt profité pour donner un coup sur le côté pour faire bouger ta masse et t'attaquer pour essayer de t'embrocher. Tu l'as vu, t'as attrapé son poignet, tu l'as rentré dedans, tu l'as fait un peu dévier sur le côté, vous êtes remis en position, et c'est à moi, et donc c'est à lui, et il te réattaque. Ah vache, ok. Tu me fais la même. Oui, ça c'est l'effet de ton fumble hein, qui fait ça. Ouais, je refais le bouclier, c'est ça ? Oui, attaque, tu refais le bouclier. Le bouclier. Moi, je fais un total de 15. Moi, j'ai fait 16. Bah, tu l'emportes, donc tu fais tes dégâts. Ah, excellent quand même. 6. Pour l'instant, je sais pas. 6, ça fait. C'est pas extra non plus. Ok, tu prends le dessus quand même sur la mêlée. Tu l'assènes plusieurs coups, qui a de plus en plus de mal à parer. Il commence à s'essouffler. C'est celui qui a un bassinet d'ailleurs. Hein. Ça doit être le chef des hommes d'armes, hein, entre guillemets. Il a du mal à tenir contre toi. Mais il est toujours debout. C'est à vous, donc il me semble qu'il n'y a que Finarion qui n'a pas agi. C'est ça. Mais du coup, moi j'hésite entre attaquer l'homme d'armes de frère Artus ou le mien.
Parce que toi, en fait, là, à l'arc, ça va être compliqué. Ouais. T'es au corps à corps avec, un homme d'arme. Ouais, je suis toujours au corps à corps avec le premier. Ouais, celui qui a attaqué Izorn. Izorn s'est défait. C'est un peu reculé. L'homme d'arme, lui, il a continué sur sa lancée parce que t'étais pas loin. Donc, si tu veux, à toi de me dire que tu veux faire. Du coup, je vais désengager aussi. Je pense que c'est ce qu'il va y avoir de plus sécure. Ok. Tu te désengages, mais Alors, voilà. Mais explique-moi comment tu fais. Tu te désengages du genre hop et t'essayes de retirer une flèche, ou tu te désengages genre tu t'enfuis en courant sans demander ton reste. Non, je me désengage et j'essaye de tirer une flèche. Ouais. Non, ça marchera pas parce que là il te poursuit, donc tu te désengages. Mais enfin, je te le dis. C'est pas non plus. Vous désengagez. Normalement, désengagement, ça veut dire je romps le combat, je me casse. Un peu comme ce qu'a fait Bragi. En fait, au final, il se casse pour aller vers quelqu'un d'autre, mais il reste pas là. Là, t'essayes. Tu le vois arriver. T'es en train de reculer, mais lui te tombe dessus. Si c'est ce que tu veux faire, c'est ce qui va se passer. Je te le dis. Ok. Donc, à la rigueur, vaut mieux que je sorte mon couteau plutôt ce tour-là. Ok. Ouais, ton couteau sur le mec. Sur éventuellement le. Parce que toi, t'es à l'arc long, c'est ça? Ouais, le souci, c'est que si je tire à l'arc sur un autre, derrière, moi, je vais me faire attaquer de suite. Après, c'est le round suivant. Ah, là, considère-toi, là, maintenant, en corps à corps, déjà. Ok? D'accord. Il te saute dessus, enfin, il arrive sur toi. T'as le temps, parce que c'est une arme courte, de dégainer ton. De lâcher ton arc, dégainer ton couteau, et de l'attaquer si tu veux. Vu que c'est un couteau, ça prend moins de temps à sortir. Donc tu peux porter l'attaque. Défends-toi là, c'est mieux, oui. Ouais, bah je vais faire ça, ouais. Est-ce que tu prends une posture? Je vais essayer de le tuer, je vais voir. Donc une posture d'attaque, du coup. D'accord, agressive, ouais. Donc tu te jettes sur lui en essayant de le poignarder à la taularde. Donc tu fais clic sur couteau. Je clique direct sur couteau, pas le bouclier, ok. Non, c'est toi qui as l'init, hein, donc c'est okay. Toi qui attends. Et moi, je vais me défendre. Oh, je suis des jeux de merde. Moi aussi, je fais 15. T'as fait un 1. Ah, c'est pareil que ton copain. Alors, déjà, normalement, les fumbles, c'est si vous faites si vous faites en dessous ou égal. Et là, tu viens de faire au-dessus, quoi qu'il en soit. Donc, je dis pas de conneries. Un lose. Non, tu perds pas. Donc, comme tu fais quand même plus que lui, parce que je viens de faire que 10 au final, le fumble est pas pris en compte. Donc, tu peux faire tes dégâts. Et donc, les dégâts, tu les jettes deux fois. C'est marrant, parce qu'on dirait qu'à chaque fois, il marque les mêmes... Ça va les G2D, toi? T'es en forme, là? Ça a l'air... oui, parce que t'as y a eu 2x5, effectivement, elle a 2x3. Ouais. On va le garder là, mais si ça refait une prochaine fois, c'est qu'il y a un problème avec la macro. Ok, moi, je fais un point, donc il en prend deux. Ok, tu te jettes sur lui avec le couteau, il pousse un cri de surprise, il s'attendait pas du tout à ça, toi. Et t'as réussi à lui écorcher le haut de l'avant-bras, une légère estafilade. Mais il est toujours debout, bien sûr. Donc, c'est à moi. Lui n'avait pas agi. Il contre-attaque. Donc, fais-moi un test en défense avec le couteau, toujours. Ah, purée. Décidément. Je fais que 6. Ouais, ça, même avec mon jet, ça sera pas suffisant. Moi je viens de faire, j'ai dit combien, 8, 10, 15, donc ça va, c'est pas 3 fois plus que ce que t'as fait, donc je vais faire 2 fois mes dégâts. Tu peux faire, t'as une armure je crois, hein. Il me semble, t'as une armure légère il me semble, non je le vois dans possession ça. Tu vas dans possession et à droite de possession tu as current effect et t'as armor item, moi je le vois d'ici. T'as un des trois d'armure, donc tu peux cliquer. Je sais pas s'il va le prendre si tu cliques dessus.
l'armure. Sinon, tu jettes un des trois. Un des trois, ouais. Ok. Vas-y, jette ton des trois. Tu prends 8 points de stamina. Et en fait, au moment où tu l'as fait cette légère entaille, il t'a mis une genre de revers de la main, comme une baffe, quoi. Ça t'a sonné un peu, il en a profité pour te porter plusieurs coups à l'épaule, à la hanche, etc. T'as senti un peu de douleur, t'as serré les dents. T'as combien en stamina? T'es toujours en positif? Ouais, je suis à la moitié. Ouais, ça va. Donc en fait, ton armure a accusé le plus gros du coup. On revient à vous, parce que moi j'ai agi. Ça c'est un peu différent. Donc du coup, je vais me permettre d'agir, vous allez comprendre pourquoi. Au moment où tout ça se passe, qu'il y a la mêlée qui est en train de se former avec Sir Cunning, pas très loin de son cheval, comme il essaie de se sauver avec Bragi, un autre homme d'armes, vous autres, en essayant de prendre comme vous pouvez le dessus sur votre adversaire, vous entendez un hurlement, presque un ululement, quelque chose de très profond, de très puissant, et vous voyez une bête arriver, sortir des bois, des fourrés, une énorme masse poilue, hirsute, qui ressemble, alors qu'elle émerge du bosquet, à un énorme ours, à part que celui-ci n'est non pas affublé d'un corps de vache, ni d'aile, mais d'une tête difforme avec un énorme bec qui en sort. Et vous vous retrouvez face à ce qu'on appelle un ours à bec. Ça a des ailes aussi ou pas du tout? C'est quoi? Ça n'a pas d'ailes. Non, ça n'a pas d'ailes du tout, ça ne ressemble absolument pas à la chose qui est en train de moisir au milieu de la clairière. C'est un animal connu de la faune, quoi. Ah, ça vous parle. En tout cas, pour ceux qui ont l'habitude, comme le chasseur et la hors-la-loi... oui, l'ours à bec, peut-être vous n'aurez jamais vu, mais vous avez déjà entendu parler de ça. Ça fait que là, gros purée, un ours à bec. Ouais, ça, voilà, vous voyez que c'est quelque chose de gigantesque, hein, qui vient d'arriver, en fait, juste derrière Koenig, Bragi et l'homme d'armes. Et Koenig, tu vas pouvoir aller faire tes preuves. C'est à vous, donc, qui agit. Pardon, vous me faites tous un test, tous, maintenant, en pluck, quand vous voyez ça. Ah ouais, un pluck, ouais. Pluck. C'est un des... C'était 2d6 plus... Non, c'est 1d20 plus pluck. Il faut faire 20 plus. Si vous loupez, vous faites 2d6 plus pluck. Et là, c'est pas le même niveau de peur. 17 pour moi. Donc c'est loupé. Ouais. Bah, il a fait 14, oh. 14 et 11, 25, c'est bon. On n'est pas nombreux à... Je crois que moi, mon pluck, il est buggé. Hein. Je fais tout le temps 1 quand je fais... Ah oui, c'est vrai. 20 piles, moi. Ok, donc le 17, donc Frère Artus et Izorn, vous me jetez 2d6 plus votre score de pluck, s'il vous plaît. Un problème de pluck. 2d6 plus pluck. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait plus 100. Zorn, tu le fais exprès mais ou quoi? Mais c'est une blague! Alors. Ouais, c'est pas bon. Bah, t'as du bol parce que. Enfin, t'as du bol. Frère Artus, t'as du bol parce qu'il fallait faire 19 pour pas être affecté, donc tu serres les dents. Je serre mon médaillon et je pense à ma divinité. Tu viens de pousser un hurlement, toi, Izorn, lorsque t'as vu cette chose sortir, mais t'arrives à garder le contrôle. Néanmoins, tu perds un point de pluck. Ok, je peux le noter où, ça? Tu notes directement sur ta fiche, tu le notes à côté, valeur. En fait. Ouais, ah. Non, tu gardes la valeur originale pour qu'on sache plus ou moins combien t'avais, et tu marques à côté juste ton nouveau score. Donc, vous avez entendu, donc, Izorn poussait un hurlement de peur lorsqu'elle a vu l'ours avec sortir. Ce qui est également le cas, je vous le rassure, hein, quand même,
de la plupart des gens qui étaient toujours plus ou moins là, hein, les paysans, hein, et qui commencent à détaler aux quatre coins de la clairière. Vos adversaires, bah, ils n'en mènent pas large non plus, en tout cas on va voir. Ok. Alors, assez étrangement, le seul qui reste vaillant, c'est Sirkony. Peut-être parce qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait, en fait. Mmh. Et il est, dirons-nous qu'il est même dos à l'ours à bec. Il pensait avoir maintenant une position avantageuse face à Bragi, mais Bragi, frère Artus et même Finarion, vous voyez les hommes d'armes qui étaient en train de vous combattre, qui voient ça, comme vous, hein, lâchent leurs armes et détalent. On revient donc je sais plus du coup, c'était à qui, donc c'est à vous d'agir. Du coup, on n'est plus embêté par les hommes d'armes, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que pour celui qui veut frapper un homme d'armes au moment où il se barre, il peut, hein, si vous voulez, parce que vous avez celui qui agit maintenant, je veux dire, hein, il peut le faire. Sinon, voilà, il se carapate. Il n'y a pas grand intérêt, là. Le Sir Koenig, il est là, il tient toujours la fille. Alors, Sir Koenig, ouais, il n'a pas fait attention à l'ours à bec. Il est dos à lui. L'ours à bec, en fait, se rapproche hein, de lui et de Bragi. Visiblement, on ne sait pas s'il est attiré par eux ou par la charogne qui commence à boucaner. Un sentier assez fort. Donc, qui agit parmi vous, maintenant? Oui, la créature qu'il y a là, telle qu'on la voit, c'est pas une créature qui peut s'accrocher au plafond. Ben, en tout cas, tu sais même pas si c'est une créature qui pourrait rentrer dans une chaumière sans tout défoncer, quoi. D'accord. C'est énorme, hein, j'entends. Hein, c'est un énorme ours. Donc ça doit faire, je sais pas, 2,50 m au minimum de haut, ou quelque chose comme ça, quoi. On va proposer. C'est prêt. Alors dites-moi qui agit parmi vous. Sinon, vous perdez un tour. Comment vous voulez le jouer? Moi, je veux bien essayer de tirer une flèche pour attirer son attention et que Bragi essaye de sauver la fille. Mais la fille, on sait pas où elle est. La fille, on sait pas où elle est, si? Non, on sait qu'elle est enfin. Il a dit qu'elle était prise en otage, quoi, c'est tout ce qu'on sait, quoi. Ah, mais moi, je croyais qu'il l'avait avec elle. Non, vous l'avez pas vu. Vous avez pas vu Greta, ni d'ailleurs le vieux Hogan. Moi, c'est pour ça qu'à la limite, t'as une flèche là, le bourse qui arrive en plein golour. Ouais. Tu crois qu'on y arrivera? De toute façon, si on ne charge pas, il va massacrer des. C'est un ours à bec quand même. Est-ce que c'est une créature qui est à notre portée? J'en sais rien. Bon, allez, je tente une flèche. Alors, une petite précision, ça oui. C'est de MJ à joueur. Hein. Dans ce genre de jeu, je ne mets pas forcément des rencontres symétriques par rapport à mes joueurs. Il y a des choses qui peuvent être carrément trop fortes pour vous. Ah, d'accord. Ouais. Donc, je ne vous dis pas que c'est le cas de l'ours à bec, mais je vous dis que ça peut arriver. Bah, disons qu'il a l'air relativement menaçant quoi, sur l'image. Moi, je pense qu'on devrait Moi, je suis pas peut-être pas se mesurer pour l'affronter. Quoi. Non, par contre, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est s'écarter, me laisser bouffer la barbaque, si c'est la barbaque qu'il veut. Ah, c'est pas bête, et il repartira dans la forêt, quoi. Peut-être qu'il a senti l'odeur. Ouais, on peut essayer ça. Bah, disons que maintenant, on connaît notre adversaire, quelque part. Donc, ouais, je serais, moi, d'avis, temporiser un peu, quoi. Regardons-le bouffer la barbaque. Et une fois qu'il aura le... suffisamment repure, rassasié, ce sera peut-être le moment de l'attaquer à ce moment-là. Pas quoi. Mais on a un test peut-être pour essayer de voir à quoi il s'intéresse. Ou quelqu'un qui a une affinité avec des animaux. Ou... Ah, moi, en tant que chasseur, peut-être que j'ai c'est la capacité. C'est pas un animal, hein. c'est vrai. C'est pas un animal normal. Donc, alors, je veux une décision. Voilà ce qui est en train de se passer. Qui parmi vous, de votre groupe, agit?
Bah écoute, moi je vais m'écarter, quoi. Ok, donc tu prends le lead, frère Artus. Bah, et, non, mais je réagis un peu dans l'instinct, quoi. Je sais pas ce que font mes camarades. Pour ma part, moi, je vais quand même mettre un peu de distance avec la bête pour l'instant, quoi. Ok. Non, mais ça sera votre action. Tu t'éloignes le plus possible de l'ours à bec, en effet. Là, tu es au corps à corps avec Koenig, c'est ça? Ouais, t'étais au corps à corps avec Koenig. Et la bête est juste derrière Koenig, si je me souviens. Elle est à quelques pas derrière Koenig, ouais, c'est ça. Toi, tu l'as vu, bien sûr, Bragi, t'as vu la bête. Koenig a pas l'air de l'avoir vu, il sentait puissant par rapport à sa position avantageuse, comme je le disais, mais qu'il vient de perdre à l'instant. Donc c'est à moi d'agir, il ne reste plus grand monde. Hein, donc, par rapport à Koenig, je vais reculer. Tout alors attends, c'est à Koenig d'abord, c'est à moi d'agir. Donc du coup, Koenig, lui... qu'est-ce qu'il fait Koenig? Il te regarde toujours en pointant l'épée. Il te dit non, tu ne sais pas qui tu as affaire. Je t'ordonne de partir. Oui, t'en coûteras. Il était toujours en reculant. Il te menace comme ça. Voilà, il passe son action en fait à essayer de t'intimider. Donc ah ouais, ce que tu as faire. Moi je recule et je lui dis oui Koenig, oui Koenig, mais regarde derrière toi. Donc comme il me dit de partir, je recule effectivement. Ok, on va dire que c'est à toi, donc c'est à votre tour, donc c'est Bragi qui joue. Ok, tu recules, ouais, et tu lui dis regarde derrière toi, et Koenig dit je ne suis pas né de la dernière pluie, misérable nabo. Et à ce moment-là. Je l'attendais celle-là. À ce moment-là, vous voyez l'ours à bec qui est pile poil à l'aplomb derrière Koenig. Vous voyez Koenig qui s'arrête. Tu vois dans son regard Bragi qui vient de se rendre compte qu'il y a quelque chose derrière lui. Et il commence en fait à lever la tête pour voir, parce qu'il sent une ombre se dessiner, cacher les rayons du soleil au-dessus de lui. Et là vous voyez l'ours à bec ouvrir en grand son énorme bec. Et d'un coup, d'un seul, sec et net, gobé, Sir Koenig. Ouais, donc c'est quand même une grosse bête. Qui est gobé par l'énorme ours. Vous voyez, vous entendez hurler Sir Koenig pendant quelques instants. Et aussitôt après qu'il l'ait gobé, vous entendez, Bragi t'entend un bruit infâme de craquement, comme s'il était en train de lui broyer les os, quelque chose comme ça. Il y a une crash, Sir Koenig, qui vient s'écraser sur un arbre un peu plus loin. Et il pousse un hurlement, l'ours à bec, une espèce de ululement, un truc qui est plus proche d'un oiseau, un énorme oiseau, que d'un ours. D'accord. À vous. C'est le moment où on se barre en courant, non? C'est ça. Je vais poursuivre mon action précédente. Alors, toi, t'as déjà joué, on a. Il nous reste Izorn et. Finarion. Qui n'ont pas joué. Tant que Bragi, il est pas loin, je reste à bonne distance, mais. Histoire de tirer une flèche si jamais il se passe un truc pas bien, quoi. Bah, pour l'instant, ouais, tu restes en retrait. Vous venez de voir ce qu'il vient de faire à Sir Koenig. Il a goûté, quoi, on va dire. Vous voyez qu'effectivement, il y a des dents lorsqu'il a ouvert son bec, en plus du bec. Et c'est à Finarion, parce que moi, j'ai fini d'agir, au final. Qu'est-ce que tu fais, Finarion? Bah, moi, je vais me reculer un peu, pour le coup. Pareil, je garde mes distances, quoi. Vous gardez vos distances, j'ai bien compris. Donc, ce que vous voyez, c'est l'ours à bec qui se dirige... Maintenant, vous voyez que il a humé l'air pendant un léger instant après avoir mâchouillé Sir Koenig qui est tombé, je ne sais pas s'il est mort ou inconscient ou quoi. Il a humé l'air et il s'approche maintenant à pas pesant mais rapide en direction de la carcasse qui gît au milieu de la clairière. Vous êtes les seuls dans la clairière. Les villageois sont plus là depuis un moment. Hein, ni les hommes d'armes, tout ce beau monde s'est fait la malle. Donc, on n'empêche pas du tout de bouffer la carcasse.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Si vous ne l'empêchez pas, l'ours à bec, en fait, il fait la même chose qu'il a fait avec Koenig, sauf qu'il y a une bonne partie de la carcasse de la vache qui dépasse, en fait, de son bec. Et comme ça, d'un air presque pâteau, une scène un peu demi-comique, il part avec le reste de la moitié de la vache presque qui dépasse de son bec à l'intérieur du bois. Donc c'est vraiment une très très grosse bête, quoi, on va dire. Oui, c'est énorme. Ouais. Donc là, il repart. Ouais, ouais, il finit par repartir. Je considère que vous êtes reculé, vous êtes planqué, vous avez assisté à ça. Donc, on n'est plus en combat. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je tombe les genoux par terre, là. J'étais sous pression, j'en peux plus. Ouais, ça se comprend, ouais. Bien, ben maintenant qu'on connaît l'origine de tout ça, je pense qu'on est conscient qu'on ne peut pas le tuer nous-mêmes. Et ce que je propose, c'est éventuellement de s'organiser pour tendre un piège à l'ours bec, là. Mais un piège qui aura été réfléchi, quoi. Mais toi, tu penses que c'est lui qui a tué les L'ours, c'est une bête de la forêt. C'est une bête de la forêt, il n'a rien à voir avec les villageois. Le cheval de Koenig, il est toujours là? Oui. Ouais, enfin, il est là. Attends, laisse-moi regarder. Tiens. Si vous voulez que le cheval soit là, oui. L'un d'entre vous testera sa chance. Sinon, il se sera enfui. Il aura rompu les liens où il était attaché par la peur de l'ours à bec. Isorn, tu veux tenter ta chance? Oh non, non, moi j'ai déjà tenté. Moi je l'ai pas fait tout à l'heure, je vais le faire maintenant. J'y vais, sinon. Non, mais ça me gêne pas de le faire pour le coup. Allez, vas-y. Très bien, 25. Ok. Le cheval est là. Bon. Le cheval est là, et d'ailleurs, si tu veux l'approcher, Finarion, tu n'as aucun mal à le calmer, parce que là, même s'il est attaché, toujours là, il est vraiment paniqué. Faudra faire attention en s'approchant, sauf quand on s'appelle Finarion et qu'on est ami des bêtes. Si tu peux le calmer, je suis pas sûr qu'Isorn soit en état de marcher là. Non, mais je vais essayer, mais moi aussi je vais y aller un peu en titubant des précédents dégâts du combat. Bon, ça va, tant que vous êtes en positif, en stamina, c'est plus de la fatigue et des coups, des bleus. Sans réelle conséquence, hein, rassurez-vous. Non, moi, c'était plus... Allez, quand le stress est retombé, quoi. J'ai les jambes qui ont flageolé, et puis pouf. Mmh. C'est pas rien, ce que vous avez vu. Hein. Bon, on s'y attendait pas, ouais. Mmh. Après, on est solide, nous. Hein. Mais malgré tout, avec tout ce qu'on a observé dans la maison, je pense pas que c'est l'ours à bec qui est responsable de... Non, moi non plus. Rien à voir. Rien à voir. Mmh. Bon, déjà, ça serait bien qu'on retrouve les traces du vieux Ogun et de la fille, quand même. Vous revenez donc à l'auberge ? On essaie de voir les traces de chevaux d'où elles venaient. Ah, les traces de chevaux ? Oui. Vous pouvez suivre les traces. Vous en trouvez suffisamment. Disons que s'il avait capturé la fille en question et planqué quelque part, il y a des chances qu'en remontant les traces de cheval, on arrive à cet endroit-là. Mm-hmm. Ok. Je considère que Finarion, t'as pas besoin de faire de jet. T'es à l'aise, t'es habitué. Disons qu'en plus, même le cheval pourrait presque même te guider jusque là d'où il vient, en fait. Hein, grâce à ton talent. Donc, un quart d'heure, 20 minutes après, peut-être, vous arrivez en vue, toujours dans la forêt, hein, par contre, hein, c'est pour ça, ça vous a pris un peu de temps, d'un campement qui a été établi. Vous voyez en fait dans le campement, vous retrouvez les hommes d'armes qui sont enfuis, qui sont en fait en train de reprendre leur souffle,
Il y en a un qui est à quatre pattes au sol parce qu'il n'en peut plus. Un autre qui est en train de vider à grande rasade une bouteille de vin. Et un troisième qui est en train de discuter. En train de paniquer face à deux autres hommes d'armes que vous n'avez pas vus, qui tiennent entre eux, Greta. Greta qui est bâillonnée, qui est ligotée, ils sont en train de se demander, vous entendez gueuler, hein, ils font pas attention à vous, hein, ils sont en train de dire « Hey, Kenny, il est au Kenny, je sais pas, il est resté derrière quand cette bête est arrivée, je sais pas, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et elle, qu'est-ce qu'on en fait ? Et l'or ? J'en sais rien, mais il y a une bête, il y a un monstre, là, on l'a vu, on l'a tous vu. » Voilà, vous entendez ça. Qu'est-ce que vous faites ? La fille, elle est attachée, là ? La fille, elle est ligotée, les mains, en fait, ligotées, devant elle, d'ailleurs, hein, et bâillonnée, visiblement. Il y a un peu de sang sur le côté de son visage, visiblement elle a dû être assommée, quelque chose comme ça, avec un coup porté. Et elle est un peu laissée de côté par les hommes d'armes qui sont en train de s'enguirlander copieusement les uns les autres pour savoir la suite des événements pour eux. Quoi. Ouais, pour l'instant, j'ai bien envie de tenter un truc. Ouais, ils sont pas vus pour l'instant, non ? On fonce, on lance le cheval au galop, en gueulant, la bête arrive. Non, attends, ouais, moi je voulais carrément y aller en hurlant. Ouais. Fuyez, fuyez, la bête arrive. Ouais, c'est ça. Ouais, très bonne idée. Ouais. J'avais eu la même, vu qu'on est trois. Ok. On gueule tous comme des malades, la bête arrive, ouais, la bête arrive, au secours. Et ouais. En courant, ouais. En précisant qu'elle a avalé Koenig, comme ouais, ça. Ouais. Elle a avalé Koenig, fuyez, la bête arrive. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Tête dedans, là. Ouais, alors attendez, vous le faites tous, c'est ça ? Ouais. Ok. Bah, celui qui a le plus en lie. En lie ? Ouais. En mensonge, un naine, c'est pas mentir. J'ai que 4, moi. Donc. Moi, j'ai 5. Hein. Attends, lie, s'il vous plaît. Moi, j'ai... En haut à droite. Ah. Un beau potentiel, hein. Ouais, on peut pas le faire à l'intimidation. Non, là c'est du mensonge. Là c'est clairement, vous êtes en train de leur dire qu'il y a quelque chose qui vient pas, qui vient sur eux. Donc, de toute façon, on arrive en courant, les armes à la main. Alors soit ils ont peur de nous, soit ils ont peur de la bête. Donc voilà, celui qui. Si vous le faites Allez. Comme ça, ce sera un test by. Mais vous avez. Je vais vous donner quand même un bonus, surtout pour ceux qui viennent de là. Vous me faites confiance alors, je lance. Ouais. Ouais, allez. C'est un bonus de 5. Oh ben, regarde, non, mais c'est bon, 21, 5, 26, c'est bon. Cherche pas. Ah ouais, bah, Pékin. Ok, bah, effectivement, vous débarroulez comme ça dans le campement, hurlant, elle arrive, et aussitôt, les gardes qui avaient vu le monstre se mettent à... Oh, ils calculent même pas que c'est vous, hein. Ils se mettent à courir comme ils peuvent, ils tombent, ils dégringolent, il y en a d'un tas de bois qu'ils avaient amassé, celui qui était en train de boire, il s'étouffe en buvant et il titube pour partir dans une direction différente. Les trois qui étaient en train de discuter avec Greta à côté, ils se jettent des regards nerveux, ils vous voient arriver, ils regardent à droite, et chacun pour soi, et la trois fois bénie pour les autres. Et les gardes, les hommes d'armes, finissent par décamper, sans demander le reste, laissant Greta, saine et sauve, dans le campement. C'est ce qu'on voulait, donc on est content. Vous finissez par... Son baillon, on la libère. Ouais, on la libère. Vous finissez par la libérer, enlever ses liens, son baillon, etc. Elle vous remercie. On l'a fait monter sur le cheval, la pauvre, elle doit être fatiguée, la bichette. Retournons à l'auberge, la ramener à son père. Ouais, très bien. On lui pose quand même quelques questions en chemin. Où est-ce qu'ils l'ont attrapé ? Est-ce qu'elle sait où est le vieux Ogun ? Alors, dans le campement, pour information, vous voyez sur un feu de camp avait été disposée une tête de vache sur une espèce de méchoui improvisée. Quoi. Vous voyez qu'il y a, une tente qui est toujours là. Quelques paillasses qui ont été, enfin quelques couches improvisées
de part et d'autre cette tente. Vous pouvez voir qu'il y a un gros sac, un genre de hotte, type Papa Noël, quoi, un truc où il y a pas mal de choses à l'intérieur. Ouais, moi j'irais bien voir s'il n'y a pas des petits objets ramassés. On va fouiller, ouais. Ouais. Mmh. Bah, dans la hotte, en fait, vous trouvez une espèce de capharnaüm de choses vraiment improbables. Vous trouvez une tête de loup empaillée. D'ailleurs, vous doutez maintenant que vous voyez ça, que la tête d'ours que vous avez vue, c'était une tête d'ours empaillée. Mmh. Vous voyez, y a des choses qui sont assez nauséabondes. Hein. Vous voyez qu'il y a des queues animales. Qui ont été moins d'une espèce d'huile, il y en a dans un linge, elles sentent très mauvais, mais elles pourraient donner l'illusion d'une vraie queue si elle était appliquée. Vous voyez qu'il y a, il y a des bocaux dans lesquels il y a des écailles, d'autres linges où il y a des cornes de différents types, d'ovins, de bovins, etc. En fait, c'est pas une guilde de chasseurs qu'on a vue, c'est une guilde de taxidermistes. Ouais, ça, ouais, c'est à peu près ça. Des faussaires. Faussaire. Voilà, c'est ça. C'est tout pour simuler une fausse bête, quoi. Il y a même, vous voyez même des pattes avec des sabots qui ont été coupés. Enfin voilà, c'est un peu ce que vous trouvez à l'intérieur. Il y a rien réellement qui ait de la valeur à l'intérieur de ça. Par contre, dans la tente, vous trouvez un petit coffre qui est fermé. Et alors, ça s'ouvre avec quoi, ça? Un coup d'épée. Mmh. Vous pouvez essayer de le défoncer. Une masse d'armes. Hein. Ouais, j'utilise ma masse d'armes pour faire sauter la serrure. Ouais, ça. Elle est un peu grosse, ta masse, non? Oui, ouais, c'est une masse. Oui, ça peut le faire. Hein. Donc, tu t'acharnes un peu dessus. S'il y a quelque chose de fragile à l'intérieur, il sera pété. Hein, ça, c'est ça. Et avec une lame, on peut pas le forcer plutôt. Trop tard, j'ai tapé avec ma masse. Vous pouvez tenter, mais bon, là, il s'est jeté dessus. T'as fini par le défoncer. Le coffre, c'était pas non plus un coffre renforcé. Et à l'intérieur, en fait, tu trouves, il y a des soieries, des vêtements, type des vêtements de nobles, voilà, pour hommes, visiblement. Tu peux voir que il y a même un chapeau style une espèce de toque en fourrure. Tu peux voir une chaîne visiblement, enfin à première vue en or, sertie d'un genre de rubis, une pierre précieuse. Et tout au fond, tu vas me jeter. Alors écoutez, me jeter 2d6 et 1d6, vu que c'est toi. 2d6? Ouais, déjà 2d6. Il y a 8 pièces d'argent. Ok. Et 1d6. Et 6 pièces d'or. Wouah! On est riche! Excellent. Vous trouvez aussi, ou dans la tente ou aux alentours, quelques armes, notamment des épées, mais comme les vôtres. Hein, pour info, votre équipement, sauf l'arc de Finarion et la hache de Bragi, tout le reste, armes et autres équipements, c'est vraiment de basse qualité. Hein, c'est des choses qui... Mmh. Voilà, faut comprendre, les armes sont ébréchées, sont presque pas tranchantes, enfin voilà. Là, par contre, là, c'est la même chose. C'est, vous trouvez une espèce de râtelier d'armes improvisées, mis sur une espèce de petit arbre, là, bas, avec deux épées, une lance, type qu'avait Cunning, et puis une hache aussi, mais c'est plutôt l'hache pour débiter du bois. Mmh. Que les trucs qui ont réellement de la valeur, qu'on va pas s'encombrer de broutilles. Non, voilà. Non. Pour information. Bah, la chaîne, les pièces, peut-être les soieries à la rigueur, quoi, mais. Ouais. Ouais, je regarde juste si j'ai pas autre chose éventuellement.
Ah ouais, et si, et vous trouvez dans à côté en fait du coffre dans la tente une bourse dans laquelle se trouvent des champignons secs. D'accord. Je pense pas que ça va trop parler, à la rigueur peut-être à Finarion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Bah, tu penses que ce sont à première vue à l'odeur peut-être des champignons. Enfin, c'est pas des champignons culinaires alimentaires, pardon. C'est quelque chose, peut-être une drogue ou hallucinogène. Ouais, au poison, et... quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Peut-être, peut-être. T'en es pas sûr. Bon, maintenant, tu sais pas exactement ce que l'effet de, ce, de ces champignons, vu qu'ils viennent sans doute pas de, de cette forêt, mais voilà, c'est, tu penses que c'est ça. On peut toujours les prendre, ça servira éventuellement plus tard. Ouais, bah vous notez, celui qui veut, qu'il y a une bourse avec, eh bien... On va se partager. Allez, on va dire, du coup, j'ai dit D, donc 2D3 champignons à l'intérieur. Il faut tout partager, attention, c'est important. On vend le cheval, etc. Ici, on partage tout. Ouais, vous avez un cheval, c'est pas rien, ça, ça coûte cher, un cheval. Ah oui, un cheval, ça coûte quelques pièces d'or. Hein. Mmh. Et c'est pas un cheval, c'est pas un cheval de trait, mais c'est pas non plus un destrier, hein, c'est plutôt un cheval de selle, coursier classique. C'est déjà bien, hein. Quand on en a pas, c'est très bien. Il a, d'ailleurs, le cheval, il a une robe avec ce qui semble être des armoiries, mais qui colle pas avec celle qu'avait d'ailleurs Sir Penny. À son âme. Oui, c'est les morts. Hein. Il est le pauvre. Ok. Bon. Voilà, donc... sinon, pour info, Greta vous dit que, en fait, les deux hommes d'armes sont apparus comme ça dans l'auberge, alors que tout le monde était parti à la clairière. Ils ont demandé où se trouvait l'argent, elle n'a pas voulu le dire. Et puis, ils l'ont attrapée, elle ne s'est pas laissée faire. Et puis, à la fin, elle s'est pris un coup derrière la tête. Et quand elle a repris conscience, elle était dans le campement. Elle n'a pas vu le vieux Hogan. Non, elle l'a pas vu. Non, elle l'a pas vu. Si tu lui en parles, elle te dit qu'elle l'a pas vu de la journée. Ok. Ça marche. Bon, on retourne au village ramener Greta. Ouais. Ouais, je pense que son père s'inquiète et que elle se retrouver dans son auberge, dans des endroits qu'elle connaît bien, l'aidera à se remettre de ses aventures, quoi. Vous finissez donc par revenir au village, à l'auberge. Vous voyez qu'il y a tout un attroupement dans et devant l'auberge, hein, de tous les paysans locaux, etc. Vous entendez crier Otto, mais où est-elle? Mais et où sont les autres? Ils sont partis. Un autre paysan dit, et ils ont pris l'argent, j'en suis sûr. Et non, l'argent est là. Alors, et la bête, c'était quoi? C'était celle-là, la bête? C'est la deuxième qu'on a vue. Et vous arrivez. Et là, tout le monde se retourne parce que vous arrivez à cheval, etc. Et il y a un temps d'arrêt. Ils sont revenus. Greta est avec eux. Et là, Otto, laissez-moi passer. Vous voyez Otto, le visage qui était complètement figé dans une posture de terreur presque à l'idée de ce qu'aurait pu arriver à sa fille, qui la voit, et puis là il change tout, il se met à genoux, il remercie la trois fois bénie du retour de sa fille, et il part en effusion sentimentale, en vous remerciant, merci aventurier, merci de m'avoir amené ma Greta. Et alors que tout se passe comme ça, que bon, vous êtes... On vous congratule, hein, les villageois autour de vous vous mettent des tapes vigoureuses dans le dos, les épaules. Bien joué, bien fait. Ouais. Et il y en a un qui dit,
Mais où est-ce qu'il est, le vieux Hogan? Il est pas là. C'est ce que je me tue à demander depuis des heures. Quelqu'un l'a vu? Non, j'ai pas vu. Non, moi non plus. Et vous, vous l'avez vu? Dit-il en vous adressant la question. Eh ben non, on le cherche. Il habite où, le vieux Hogan? Par là. Et il y a un des fermiers, hein, qui s'appelle donc Barnes, qui part en direction. Enfin, voilà, il suit un petit sentier, hein, qui sort, qui va en direction d'un champ plus loin, un peu en hauteur, une espèce de petit plateau. Compagnie. Bon, on va suivre. Ouais. Ouais. Bon, Greta, bien sûr, reste là avec Otto. Oui, nous, on est en pleine forme, on le suit. Vous arrivez donc dans la ferme et. Lorsque vous arrivez, enfin même avant d'arriver, d'ailleurs, à la ferme, vous voyez, vous tombez sur un chien. Pas le même, hein, les mêmes qu'avaient Koenig et ses hommes, d'ailleurs, qui sont fait la malle aussi dans le campement. Un chien, plutôt une espèce de bâtard. Donc Barnes dit Ah, c'est Swift, c'est le chien de vieux Hogan. Qu'est-ce qu'il fait là? Hey Swift, qu'est-ce que tu fais là? Et le chien, en fait, a l'air assez craintif, et dès qu'il il s'approche, Barnes, il s'en va. Il finissait par arriver à la ferme, et je comprends pas, d'habitude, il me laisse le caresser. Bon. Il va où, là, le chien? Le chien, il disparaît dans la forêt. Il a dû avoir peur de quelque chose. Ouais. Quand, Barnes dit... Il vit tout seul, le vieux Hogan, depuis que sa femme est morte et que son fils est parti. Bon, ouais. Hogan! Le chien, il est parti quand le mec est arrivé, pour le caresser. Bah, vous avez vu le chien qui était sur l'espèce de sentier que vous empruntiez, et le gars l'a appelé, et dès qu'il s'approchait pour le caresser, visiblement, le chien, en fait, il s'est apeuré et il est parti. Ok, admettons. Il a peur de quelque chose, quoi. Ouais, c'est étonnant. Et ouais, d'après ce que vous dit Barnes, d'habitude, il sort pas de la propriété d'Hogan, je comprends pas. D'ailleurs, un peu derrière vous, vous avez été suivi par Mills et Bauer, deux des autres fermiers qui sont venus avec des fourches. Ils restent un peu en arrière, quoi, si vous préférez. Mm-hmm. Et vous arrivez à la ferme, qui a l'air étrangement silencieuse. Vous entendez juste craquer un volet, voilà, un volet de bois sous une légère brise. Et de regarder le toit de la ferme, voir s'il y a quelque chose dessus. Ah, t'es trop loin, il faudrait que tu t'approches. C'est une maison pareille, un peu plus cossue que celle du fils, hein, mais à peu de choses près la même chose, hein, avec en somme. Là, pour l'instant, vous voyez que la porte a l'air fermée. Et bon, on va s'approcher. Ouais, mais je garde la main sur mon épée, sur ma masse d'armes, plutôt. Ouais. Moi, je vais m'attacher quand même la sangle du bouclier au bras, et l'épée prête à dégainer. Okay. Il y a un truc que je sens pas, là. Mmh. C'est eux qui ont dû invoquer des saloperies. Bah, j'y pensais, ouais. Ouais, parce que si le fils était un disciple du Warlock, ça serait pas impossible que le père le soit aussi, quoi. Bah, donc je m'approche de la porte d'entrée. Vous approchez, alors voilà, je veux savoir un peu qui fait quoi. Donc on a frère Artus, masse à la main, qui s'approche de la porte d'entrée. Ouais. Et moi je l'accompagne, la hache à la main et le bouclier aussi. Et moi je vais rester en arrière, mais avec l'arc sorti, prêt à tirer. Ah, moi aussi j'en coche une flèche et je surveille. Bon, je vais mettre un coup de pied dans la porte. Ok, donc effectivement, la porte est fermée. Il vous faut un petit moment pour venir à bout de la porte, hein, mais vous finissez par,
par la défoncer. Une porte qui était assez, assez solide, hein, d'ailleurs. C'est pas la porte de base. On va dire. À l'intérieur, tout semble vide. Enfin, tout semble, en fait, inoccupé. Enfin, pardon, il n'y a pas de vie à l'intérieur, il n'y a pas d'animation. Personne ne crie quand vous défoncez la porte. Les autres paysans se mettent à gueuler « Hogan, Hogan !» Et aucune réponse. Et vous voyez qu'il y a encore des braises au niveau du feu, dans la cheminée, dans l'âtre, où il fait aussi sa popote. Hein. Il y a les restes d'un repas sur la table, de la viande, une espèce de gigot, quelque chose comme ça. Comme, ouais, si, comme s'il avait, il avait mangé il y a peut-être pas longtemps, on ne sait pas. D'accord, ok. Et vous continuez à le chercher. Les villageois sont rentrés avec vous, hein, à l'intérieur de la maison, finalement. Les deux autres, vous êtes à l'extérieur, vous surveillez. Et vous finissez par faire le tour, en fait, de la maison. Et vous ne trouvez pas trace d'Hogan. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. De l'extérieur, pendant qu'ils sont en train de chercher, vous les entendez. Vous finissez par aviser d'une espèce de petits bâtiments, pour ainsi dire, des latrines. Ils sont en fait derrière la ferme. Et vous voyez la porte des latrines qui, pareil, qui s'entrouve et se referme, qui s'entrouve et se referme avec le vent. Et il vous semble, à un moment, lorsque le vent souffle un peu plus, voir un pied. Quelqu'un qui se situe à l'intérieur. Inanimé. Le pied ne bouge pas, je veux dire. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Je pense qu'un de nous deux doit aller voir. Ouais. Du coup, qui ? Tu veux y aller et je monte la garde ou... C'est comme tu veux. On va peut-être faire l'inverse. J'ai moins de stamina à l'heure actuelle, on ne sait jamais. Ok, je vais aller voir alors. Ok, tu vas voir. Lorsque tu t'approches, déjà, tu vois que il y a une grosse flaque devant les latrines, quelque chose de sombre. Ah, il avait la diarrhée. Ouais, j'allais dire, c'est du sang ou c'est autre chose. Bah, il faudrait te rapprocher. Tu te rapproches ? Oui. Tu sens encore même un peu l'odeur métallique du sang lorsque tu t'approches à quelques mètres maintenant de celle-ci. Et la porte s'ouvre et tu vois un corps qui est assis, en fait, enfin qui est plutôt même allongé plutôt, parce que c'est juste un trou, hein, c'est pas des toilettes normales. Tu peut voir un corps humain, hein, qui est à l'intérieur inanimé. Mais il fait trop sombre. Par contre, ce que tu vois, c'est des traînées de ce même liquide rouge, donc du sang, le long de la porte qui s'ouvre et qui se reclaque. Tu finis par investiguer un peu plus ? Oui. Et hein, lorsque tu re-rentres, tu réprime un nouveau hoquet de dégoût lorsque tu te trouves devant la carcasse décapitée du vieil Hogan. Le sang n'est pas encore totalement coagulé et presque encore un peu chaud. Ok, alors à ce moment-là, je m'éloigne lentement et je retourne vers Finarion. En surveillant autour de moi, parce que j'ai peur que la bête soit pas loin. Ok, tu appelles Finarion. Finarion, tu jettes un œil, mais vous voyez rien, quoi, hormis ce cadavre décapité.
Ok. Les traces de sang, t'as dit qu'elles allaient vers où? Alors, il y a des traces de sang essentiellement juste devant la porte, sur la porte. Et en remontant la porte, tu peux voir qu'il y en a aussi, on va dire, sur le toit, au sommet de cette petite guérite, en fait, qui sert à protéger les gens qui vont faire leurs besoins des intempéries. Mais ça reste vraiment tout autour de la cabane, quoi. On n'a pas vraiment de piste qu'on pourrait suivre. Bah, vous regardez. Vous pouvez me faire tous les deux un test de survie avec un bonus de plus 5. Dites si vous faites 20 ou plus. Finarion, il a fait 21 plus 5. 5, 26, ouais. Ok. Finarion, effectivement, tu vois des traces de sang, des petites traînées qui partent en direction, enfin de derrière en fait la latrine, en direction du bois. Ok, donc je serais d'avis qu'on rentre tous les deux prévenir Bragi et le frère Artus et oui. Pour voir si on s'engage à suivre les traces. Oui. On est trouvé dedans, c'est ça? Comment? À l'intérieur, enfin, hormis les possessions qu'on pourrait s'attendre qu'un individu tel que lui pouvait avoir, hein, donc pour son métier de fermier, etc. Non, est-ce qu'on ne trouve pas encore un petit papier qui parlerait du Warlock? Ouais, c'était non, ma question aussi. Non, ouais. Pas à première vue, en tout cas, mais vous êtes aussi accompagné, je rappelle, hein, de trois des autres fermiers mm-hmm. points. Puis eux aussi, enfin, ils sont avec vous. Hein, donc là, pour le coup, ils verraient si vous commencez à fouiller ou à piquer des trucs. Ouais, on reviendra plus tard. Bon, on va sortir tranquille. Il n'y a rien ici. Je veux juste poser une question à Izorn. Quand tu as vu le corps, tu penses que c'est Hogan, tu t'es assuré de ça, tu t'es pas plus rentré à l'intérieur ou est-ce que tu as essayé de le fouiller, est-ce que tu as fait quelque chose comme ça? Non, non, parce que j'ai eu peur, du coup, en remarquant que le sang était encore frais, que la bête soit pas loin d'accord. de moi, quoi, donc... Ok. Finarion, est-ce que tu as suivi la piste en t'enfonçant dans la forêt ou est-ce que tu attends tes compagnons? J'attends mes compagnons. D'accord. Vous finissez donc par, si vous le voulez, hein, parce que j'imagine que vous les appelez, vous leur dites ce que vous avez trouvé, par avoir trouvé devant la latrine. Quoi. Et les paysans n'emmènent pas large. La bête, mais... Comment se fait-il que vous pensez que c'est ce qu'on a vu dans la forêt? Ah non, ça c'est autre chose. Il y a une autre bête? Ah oui, c'est mais l'autre elle est pas méchante, hein. L'autre elle mange des charognes. Si on l'emmerde pas et qu'on met pas des charognes, elle vient pas. Celle-là par contre, c'est une autre histoire. Ouais, donc moi je vais quand même jeter un coup d'œil dans les latrines à Hogan, bon, quoi. On laisse le curé faire, là, c'est son truc. Ouais. Il arrive pas à gérer. Oh, ça pue, t'imagines, hein, c'est, voilà. Il y a une planche en bois avec un trou, et en dessous, il y a un autre trou qui collecte les excréments et compagnie. Ouais. Donc ça pue. Mais bon, enfin voilà, vous êtes dans un univers aussi où il n'y a pas l'eau courante, hein, donc... C'est rien que tu n'aies déjà senti. Et, ben en fait, quand tu rentres, tu commences à examiner un petit peu le corps. Tu vois qu'en fait, le corps ne porte pas réellement beaucoup de traces de blessures. Il y a juste, une espèce de blessure. C'est pas net, hein, c'est toujours fait par des griffes. Au niveau du cou, voilà, la décapitation a lieu. Comme si il avait été quasiment décapité en un coup. Donc on parle bien de griffes quoi, pas de ouais, pas de bourse, ouais, ouais, tu confirmes bien que c'est pas une épée, c'est pas une arme quelle qu'elle soit, c'est des griffes en effet. Ouais. Je vais examiner voir s'il a laissé je sais pas un papier sur lui ou je regarde dans ses poches. Ah ouais, bah tu en fait t'as pas besoin de réellement fouiller. Tu vois que à ses pieds quasiment à côté de lui, il y a le même genre de pamphlet que vous aviez trouvé, que Bragi avait trouvé tout à l'heure. Qui était pour le coup taché de sang par contre. Mais tu arrives quand même à déchiffrer que c'est bien quelque chose en l'honneur et pour la gloire du Warlock.
Ok, donc je vais le mettre avec le premier que j'ai, que j'avais mis contre une amulette dans une de mes poches. Ils y sont, les hommes, derrière nous, là ? Les villageois ? Ouais, enfin, ils sont maintenant un peu en arrière, hein, parce qu'ils veulent pas trop s'approcher du corps. Hein, Pour le montrer aux villageois, le papier, là. Pour leur dire un disciple du Warlock. Ah non, on a dit qu'on n'en parlait pas. Ouais, peut-être plus tard. Mais moi, je voulais pas en parler par rapport au vieux Hogan pour pas lui mettre la puce à l'oreille. Maintenant que le vieux Hogan a été tué, bon. Ouais, mais je pense que tant qu'on n'a pas tiré tout ça au clair, il vaut mieux diffuser l'information. Il y a peut-être d'autres complices. Donc, on peut faire confiance à personne, en fait. On va rentrer dans la forêt s'occuper de la bête. On leur demande de rentrer au village, par contre. Par contre, ouais, donc je prends la lettre et je. Par contre, en sortant des latrines, villageois. J'ai juste encore un truc à te dire pour toi, frère Artus. Ouais. En fait, tu vois quelque chose briller aussi pour lui, comme s'il était tombé, tu sais pas trop. Et en fait, tu regardes et tu vois que c'est une chaîne. Et tu tombes sur une chaîne dans l'argent terni, le métal est assez noir. Mais surtout, elle est terminée par quelque chose. Tu lâches d'ailleurs instinctivement la chaîne quand tu vois que c'est le symbole de Deloc qui est au bout de la chaîne, donc ce prince démon. C'était bien le prêtre, lui, ou le grand pacha. Ok. Bon, ça confirme les doutes. Hein. Bah, je prends le tout, quoi. Hein. Ils ont dû jouer avec Deloc et invoquer une bête ou un truc du genre. Qui est resté un peu à l'extérieur pendant qu'ils font ça Il est tout seul en train de faire. Nous, on est à bord. Plutôt en retrait par rapport plus près des paysans, voilà. Moi. Toi. Ok. Ilan, tu les entends bien sûr, ils sont consternés par ce qu'ils voient. C'est vieux Hogan, après ça sera qui? Tu penses que ça a un rapport avec le bûcher? Mais tais-toi, on a dit qu'on n'en parlait pas. Le bûcher, ils ont dit qu'il fallait pas en parler. Ouais, mais... Et maintenant, comment on va faire? Vous avez vu vos champs, vous avez vu comme moi. Mais m'en parle pas. Tout part comme si tout était moisi, tout était pourri. Ouais, ben voilà. C'est ce que je disais. Pour ça, maintenant qu'elle n'est pas là, qu'est-ce qui va maintenir nos champs? Tais-toi, on a dit qu'on n'en parlait pas. Il faut pas. Et il lève un peu un regard dans ta direction. Isorne. Il se taise. Bon, je vais aller les provoquer un petit peu. Ouais, qu'est-ce que tu leur dis? Excusez-moi, c'est quoi cette histoire de bûcher? C'est la sorcière, qui... Hein, vous avez entendu parler? Oui, c'est la sorcière. Otto vous en a parlé quand vous êtes arrivé. Oui, oui. Voilà, la sorcière a volé, ouais. Oui, et c'est quoi le rapport avec vos récoltes? On n'a rien dit, non. Moi, j'ai rien dit. On ne sait pas de quoi vous parlez. Vous en avez trop dit maintenant, alors crachez le morceau. Fais un test en intimidé. Ouais, pas assez. Non, écoutez, ça suffit maintenant. On va retourner voir Otto. On va leur dire que on a vu que le vieil Hogan était mort et qu'il partit rejoindre son fils. Vous avez toujours une bête à trouver. Ouais, avant qu'elle vous mange. Et en fait, il jette des regards un peu nerveux quand il s'éloigne, en fait, en repartant en direction du village. Vous laissant donc seul avec le cadavre et la ferme, etc. Bah moi, bien sûr, je vais répéter à mes camarades tout ce que j'ai entendu. Oui, j'imagine. J'imagine. Alors, d'un point de vue technique, on va arriver bientôt à 1h du matin. Que vous voulez arrêter là? Pour moi, oui. Oui, il n'y a pas de souci. La nuit tombe aussi dans le jeu. Comment? La nuit tombe aussi dans le jeu. Non, vous êtes, en termes de temps, vous êtes dans l'après-midi. Ok. En termes de jeu, il va nous rester encore des heures, là. Donc,
On peut s'arrêter là, parce que c'est un beau moment. Vous venez de trouver le corps d'Hogan, vous avez quelques indices supplémentaires. Et puis, comme je l'avais dit, hein, il faudra sans doute effectivement une seconde session, que c'est la première fois que je le fais jouer, Sénat. Donc c'est pas mal pour qu'on reprenne une autre fois. Ouais, moi je suis un petit peu fatigué aussi là. Ouais, on est plus tout jeune. Hein. Et oui. C'est fini la fiesta jusqu'à 4h du matin. C'est ça. Voilà, donc bah, écoutez, on arrêtera là pour cette session. On essaiera de faire la suite et fin bientôt, en fonction bien sûr de vos disponibilités. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Ouais, bah justement, c'est pour ça, moi je trouve que c'est vraiment super et ça serait dommage de bâcler. J'aimerais bien finir en prenant le temps, etc. quoi. Il y a des enquêtes, il y a des combats, c'est sympathique. L'atmosphère est sympa. Ouais, c'est vachement plaisant. Ouais, franchement, c'est chouette. Merci, voilà. Monsieur Dame. C'est cool, bah, merci à vous. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne nuit, un bon dimanche. Et le MJ, il a pris du plaisir. Ah ouais, moi, j'aime bien. C'est le scénar, c'est la première fois que je l'ai fait jouer, j'ai fait tout à l'heure. Ça tourne. Ça tourne, le système aussi tourne, voilà, c'est sympathique. Bah, moi, n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que je peux améliorer, parce que comme ça fait pas longtemps. Non, je trouve que je vous ai trouvé, pour ceux qui débutent plus ou moins à l'aise, je trouve. Non, ça va. Honnêtement, continuez comme ça, j'ai envie de dire. Ok, c'était chouette. Mais super. Bah, merci à toi aussi, franchement. Super narration et tout. C'était cool. Ben merci, ouais. Merci à vous. Principal, tout le monde, à bientôt. Voilà, vous amusez bien. À bientôt. Et puis, je prendrai contact avec vous comme d'hab. Donc là, on restera donc sur ce serveur Discord là pour organiser la suite. Voilà tout ce que je peux vous dire. On verra quand. Bientôt, le plus tôt sera le mieux, j'ai envie de dire. Pour que ça soit bien frais, ouais. On se cadre à voir ce qui est jouable, ouais. Ouais, c'est ça. Allez. Voilà, bah, écoutez, à bientôt en tout cas. Super, bonne nuit, bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous, bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Salut.